Voilà la preuve qu'on est en Iran. Bon, celui-là, il est facile à lire, c'est le stop. Heureusement, les autres, ils sont traduits. Ben, ça fait 24 heures qu'on est en Iran et on n'arrive pas à trouver une seule banque ouverte pour échanger nos dollars. Du coup, je sais pas comment on va payer. En fait, on a finalement compris qu'on était jeudi et vendredi et que pour eux, c'était le week-end. C'est pour ça que toutes les banques étaient fermées. Il y a aussi un autre truc à savoir, c'est que les banques vont te faire le taux officiel quand tu changes des dollars, qui est autour de 1 dollar pour 43 000 rials. Alors qu'en fait, on peut trouver facilement ailleurs, dans ce qu'ils appellent le marché libre, des taux jusqu'à 1 dollar 130 000 rials. Donc ça fait à peu près 3 fois plus élevé. Du coup, maintenant qu'on a enfin des rials, il manque plus qu'à apprendre à lire les nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, c'est 1400 alors. Je comprends rien. Ici on a 631. Dans la rue, on a rencontré deux Iraniennes qui étaient intéressées par notre T3 parce qu'ils veulent s'en acheter un pour l'aménager aussi. Ils s'appellent Sanaz et sa tante Soheila. Et là, elles nous servent de guide, elles nous ont amené à un endroit historique. Il y a deux loquets pour taper, donc ça c'est pour les hommes et ça c'est pour les femmes. En fait voilà, ça leur permet de savoir quand ils ouvriront, ils auront une femme ou un homme en face au cas où pour pouvoir se couvrir la tête. Après une matinée visite et culture, petit moment bouffe traditionnelle iranienne. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Soheila nous a expliqué que ce petit symbole, en fait, sur le drapeau iranien, ça veut dire Allah. Et quand on le met sur un objet, c'est censé porter bonheur. Ben après nous avoir proposé de faire guide touristique, ils nous ont aussi invités à dîner et à dormir. Et puis ce matin, bien sûr, petit déjeuner. On passe une petite nuit au nord de Téhéran dans les montagnes en attendant l'invité surprise suivant qu'on ira récupérer demain soir à l'aéroport. Et là-haut, c'est une station de ski. On n'imagine pas de la neige ici, hein. Elle est là.